Et salut mes pirates et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va enfin parler de Blancoton DPS les gars. Blancoton attaque plus. Beaucoup ont sous-estimé ce Blancoton et beaucoup l'ont appris à leur dépens que Blancoton c'est plutôt cheaté niveau dégâts. Je vais vous montrer un peu les spells que je joue, je vais vous montrer les items que je joue et je vais vous montrer un petit peu comment se déroule la partie. J'espère que vous allez kiffer. Bien entendu les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager un maximum et à liker la vidéo, c'est super important. Et bien sûr les potes, il ne faut pas oublier que je suis en stream tous les jours sur Twitch, alors n'hésitez pas à venir donner au taquet de soutien pour augmenter tout simplement notre communauté. Il y a le Discord dans la description, il y a la chaîne Twitch dans la description. J'espère que vous allez kiffer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, un Discord communautaire, on fait des activités, on fait des événements toutes les semaines les gars. Donc si tu te sens seul derrière ton ordi ou derrière ta console, c'est le rendez-vous. Du coup les potes, on envoie tout de suite la vidéo et j'espère que vous allez kiffer. Let's go! Ok les pirates, c'est parti. On se retrouve du coup pour parler de mon Blancoton DPS que je joue pas mal en live, qui a l'air de vous intéresser assez. Vous allez vite voir que c'est plutôt rigolo à jouer. Est-ce que vraiment c'est exceptionnel? C'est à vous de le décider. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est on va d'abord parler de comment je le joue. Puis je vous mettrai des petits clips que j'ai fait tout simplement en live. Alors du coup, on va le jouer Phyto Mixer les gars. Pour ceux qui ne connaissent pas, Phyto Mixer, c'est une tornade qui augmente la vitesse de déplacement. Voilà, ça fait des dégâts assez sympathiques. J'ai réussi à prendre quelques Zapdos avec, quelques Torgas. C'est un spell qui franchement smite plutôt bien les objectifs, donc c'est plutôt pas mal. On va le jouer Phyto Mixer et on va aussi le jouer du coup Sport Coton. On est en full DPS, on l'a bien dit. On va le jouer Sport Coton. Sport Coton, ça augmente ta vitesse de déplacement. Au bout d'un certain temps, ça inflige des dégâts dans une zone et ça bump un peu l'ennemi en le ralentissant. Vous allez voir que les dégâts sont assez sympas aussi avec Sport Coton. C'est plutôt pas dégueu. Voilà, du coup, on va commencer déjà par le jouer Sport Coton et Phyto Mixer. Ensuite, je vais vous expliquer un peu le déroulement de la game. Donc déjà, j'ai mis au point un stuff aux petits oignons pour mes conneries, les gars. Alors de base je le jouais bandeau avec lunettes de scoring, avec lunettes d'assaut et lunettes choix, donc double lunette bandeau. C'était pas mal, mais pour les invades que je fais avec Blancoton au début de game, c'est assez compliqué si tu n'as pas le focus band. Du coup on va prendre le focus band. Voilà, du coup tout simplement j'ai mis en place ce stuff. Vous allez voir, je vais vous balancer tout de suite quelques clips d'invade. Vous allez voir que les invades se passent plutôt bien. Un autre objectif, ça va être d'aller récupérer un écrapince chez le jungler ennemi pour passer notre niveau et avoir notre heal du coup au début de game. Et une fois que t'as ton heal, tu fonces sur le jungler. Bien sûr les gars, je joue Blancoton attaque plus, sinon c'est pas drôle. Une fois que t'as ton heal, tu fonds sur jungler ennemi. Logiquement, vu que Blancoton c'est un peu long, il aura peut-être fait ses deux buffs ou pas. S'il a pas fait ses deux buffs, t'essayes de le piquer. S'il a fait ses deux buffs, bah tout simplement, tu t'attaques au jungler d'en face. T'allumes ton attaque plus, t'envoies des DPS à balle. T'envoies ton premier spell dessus. Dès que tu vois que ta vie est descendue un petit peu, tu te heal. Comme ça, ça va te permettre d'avoir le heal le plus rapidement possible. Du coup, dès que ta vie descend assez, bam, tu te heal, tu récupères. Tu DPS à balle l'ennemi. Tu vas voir que ça passe, mon gars. Ça passe. Un Blancoton niveau 3 contre un jungler niveau 4 double buff. Je te garantis que ça passe. Le seul truc qui ne passe pas, c'est contre un Zeraora. Me demandez pas pourquoi, mais la seule fois où j'ai essayé, je me suis fait soulever en deux. Par contre, si vous voyez un pyrobut en face, vous pouvez foncer, c'est gratuit. Voilà les potes, du coup, on le jouera attaque plus. Attaque plus pour tout simplement vous faire un max de dégâts. Hein. Vous allez voir que c'est plutôt sympathique. En termes de dégâts, on est quand même assez...
Alors, franchement, on est assez rentable. On fait du entre 60 000 et j'ai fait jusqu'à 88 000 pour le moment. 88 000, mais sachant également que les dégâts subis, je subis plus de dégâts que les tanks à chaque game. Et bien sûr, je heal plus, je suis un blanc coton. Vraiment, c'est un perso qui est plutôt pas dégueu. Hein. Il a été testé. J'ai testé, vous allez voir que les clips qui ont été faits, c'est sur mon compte main à plus de 2000 d'élo en master. Donc vous allez voir que ça marche plutôt bien. On l'a fait contre des junglers qui sont plutôt pas dégueu. Voilà, j'ai fait des tests tout simplement. Alors, à vous de savoir si vous voulez le reproduire chez vous ou pas. Vous allez vite voir que bon, c'est pas évident, mais en vrai, c'est plutôt sympathique. Les gars, du coup, je vais vous balancer tout de suite les clips. Alors, on va avoir deux clips d'invade, un petit clip de fight, un petit Steve Zapdos. Vous allez voir, il y a 4-5 clips, je vais vous mettre d'affilée. Vous allez voir que c'est plutôt sympathique. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve juste après. Allez les gars, à tout de suite. Oh, il m'a mis trop mal, le Lucario, je le déteste. Oui, il n'y a plus d'oupa. Tiens, voilà ce que j'en fais des tiltades, moi. C'est pas le tilt. Y'a quoi? Sur El Diegos ou pas, attaque plus quoi. Flambino, Flambino, je les ai déjà chlass les Flambino, on est d'accord hein. Let's go! Come on! N'hésitez pas, clip s'il vous plaît les amis. Blanc autour DPS, attaque plus. Représente la famille, les amis. Représente. Allez hop. Je peux tu vas mais t'es mort. Non, double KO du blanc coton. Ça DPS le Torgaf. Le Zapdos. Ok ça arrive. Va y avoir un ulti Draco Feu. Je crois qu'il a été cancel. J'ai vu un truc. Non il a pas été cancel apparemment. Oh l'auto-attaque. Come on. Je m'en peux plus. Come on. Deux games. Deux Zapdos pour blanc coton. L'auto-attaque du joueur français. Vas-y, laisse-moi marquer là, fais pas chier. Et bim, ça score sur la deuxième tower. Aucun respect du blanc coton. Hop, la tornade. Ciao, ciao les gars. Je pense que je l'ai tué. Allez, let's go. Et on se retrouve après ces innombrables clips. J'espère que vous les avez kiffés. J'en ai mis quelques-uns, mais bien sûr, il y en a d'autres disponibles sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir nous voir directement en live. Je pourrai vous sortir mon blanc coton DPS si vous le souhaitez. Et voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Un petit pouce, un petit abonnement, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis les potos, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!